Voilà, ça devrait être bon. Salut, Nate. Regarde ça. J'ai réencodé le programme de ton sabre et de ton blaster pour les connecter ensemble. Voici le canon Beast X. Cool, j'ai vraiment hâte de l'essayer, mais est-ce que mon Vélix est terminé? Oh, ouais, ouais, ton idée est phénoménale. Un vélo qui fonctionne au Morphix, construit selon tes indications. Wow, c'est incroyable. Il est exactement comme je l'avais dessiné. Merci beaucoup de l'avoir construit. Tu es sûr de pouvoir en faire beaucoup d'autres rapidement? Oh, oui, j'en suis sûr. Je n'ai plus qu'à ajouter le Morphix. Et voilà, tu peux l'essayer. Super, merci. C'est exactement ce qu'il nous faut. Oh, il fonctionne au Morphix. J'en veux un. Il faut que j'y aille. Je peux te donner les plans, si tu veux. Pour construire le nôtre, hein? Allez, Zoé, tu peux y arriver. Une nouvelle route va passer en plein milieu de cette grande forêt. Le maire a lancé ce projet pour réduire les énormes embouteillages que subit Coral Harbor. J'arrive trop tard. Non, arrêtez! Oh, ma chérie, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur le maire? Je me souviens t'avoir vu à Grey Battle Force. Tu es Zoé, la petite blanchisseuse. C'est exact. Oh, je suis désolée, mais ce bulldozer allait blesser cet adorable petit lézard. Regardez-le. Je suis content que tu aies pu le sauver. Oui, mais j'ai bien peur que sauver un seul lézard, ça ne suffise pas pour résoudre le problème. Monsieur le maire, cette forêt constitue un important écosystème. Elle abrite des centaines d'animaux. Je comprends ton point de vue, mais il y a des embouteillages. Je ne vois pas comment faire autrement. Moi, si. C'est pour ça que je suis là. Parce que je n'ai pas peur des gros problèmes. Je résous les gros problèmes. Je vais vous montrer quelque chose. Ça, c'est un Vélix. Il fonctionne grâce au Morphix, donc une énergie propre et renouvelable. On peut s'en servir pour faire de l'exercice ou tout simplement pour aller se promener en activant l'énergie Morphix qui va le faire rouler. C'est une idée intéressante, mais en quoi ça résout mon problème d'embouteillage? On pourrait mettre des bornes de Vélix en ville à la disposition des gens. Pour chaque personne qui se déplace à vélo, on a une voiture de moins dans les embouteillages. Vous imaginez les économies que ferait la ville en acceptant de financer mes Vélix au lieu de construire des routes qui coûtent très cher? Tu es très doué pour parler affaires. La ville va financer tes Vélix pendant une semaine. Si leur utilisation est un succès, j'annulerai cette route. Qu'est-ce que tu en dis? Marché conclu? Marché conclu? Ne t'inquiète pas, petit lézard. On fera tout pour protéger ta forêt et en attendant, Nate va veiller sur toi. Et coupé! Ça va faire un super reportage. Waouh! Tu es peut-être la petite blanchisseuse pour l'instant, mais un jour viendra où tu dirigeras Grey Battle Force. Tu seras peut-être même un ranger, qui sait? Oh, moi? Ne dis pas n'importe quoi. Toutes mes excuses, votre grandeur rampante. Mais nous n'avons pas suffisamment de Morphix pour envoyer l'un de mes gigadrôles. Tout ça, c'est de la faute de ces foiriens d'avatars. Est-ce la vérité? N'écoutez pas ce vieux robot tout rouillé. On sait comment s'emparer d'une grande quantité de Morphix. La ville financera tes Vélix pendant une semaine. Les Rangers construisent des Vélix pour la ville qui fonctionne au Morphix. Le Morphix sera très vulnérable. Excellent. Emparez-vous d'une quantité suffisante de Morphix pour que je puisse quitter cette dimension minable. À vos ordres, Maître Evox. Venez essayer l'un de nos nouveaux vélos à l'énergie Morphix. Et vous, monsieur, vous voulez en essayer un? C'est une alternative verte à l'usage des autres moyens. Non, merci. Oh. Oh. Bonjour, vous allez au travail? Pourquoi ne pas y aller en Vélix et éviter les embouteillages? Oui, mais il n'y a rien de prévu pour pouvoir poser mon café. Vous voulez essayer un Vélix? Ils sont super pour se déplacer. Ils sont super cool. Je sais ce qui est cool. Et ça, c'est pas cool du tout. Ta-da! Regardez, c'est un Vélix modèle tandem. Wow! Alors ça, c'est cool. Wow! Oh. C'est une idée géniale. Merci! Et maintenant, Scrozzle, on va voir qui sont les bons à rien. Parfait.
le Morphix de ces vélos et détruit tous les Rangers qui voudraient en empêcher. Et voilà ce que j'aime, aller droit au but. Je vais me brancher et tout pomper, rien de plus facile. Continue, il nous en faut plus. Si vous ne voulez pas en essayer un, vous feriez mieux de ne pas toucher Obélix. C'est vous qui feriez mieux de ne pas approcher, misérable humain, ou sinon... Sinon quoi? Vicky! Oh là là là, on a un problème! Et voilà, droit au but! Tu n'aurais pas dû t'en prendre à nos amis. Oh, pourtant c'est tellement amusant. Tu nous pompes un peu trop l'air. Transformation! Activation Beast Power! Je crois qu'aujourd'hui sera leur dernier jour. Je crois aussi. Il est de mettre à terre. Ah, ces coups de poing sont redoutables. Attendez de voir mes tirs. Tu es doué, mais pas suffisamment. Je suis gonflé à bloc, je vais te détruire. On a assez brassé d'air comme ça. Je vais me débarrasser de toi. Tu m'as raté. Le combat ne fait que commencer. Tu l'as dit. Téléporteur Blaster Beast X. On va voir ce que le canon Beast X se donne en action. Un canon? Qu'est-ce que c'est? Canon Beast X, paré! Attends! Canon Beast X, tire! Vous avez gagné une bataille, mais pas la guerre. On se reverra! Non! Il s'est échappé! Bien. Blaze a emporté le bras réservoir du robot. Il était plein de Morphix. Et après cette attaque, personne ne voudra plus s'approcher de mes Vélix. Alors comme ça, Blaze est déjà de retour. Qu'est-ce que t'attends enfin, Scrozzle? Fais un gigadrone. Ah! Il n'y a même pas assez de Morphix pour faire une gigabouche. Laissez-moi deviner, ce bras réservoir, c'est tout ce qui vous reste de votre robotron? Je ne voudrais pas être à votre place quand Evox va découvrir que vous avez échoué. Ah oui, peut-être que tu devrais... Arrête, Blaze, n'écoute pas ce qu'il dit. Il nous reste le bras réservoir. C'est la seule partie dont on a besoin. Tu as raison, Roxy. La bataille ne fait que commencer. Pose-toi. Bon débarras. Je suis désolé, Zoé, mais je dois résoudre le problème de circulation. La semaine est presque écoulée et un marché est un marché. Il te reste jusqu'à demain. Oh, s'il vous plaît, monsieur le maire, il me faut juste un peu plus de temps. Les Vélix sont là. Tu dois réussir à les rendre attractifs. Si tu n'y arrives pas, je devrais lancer les travaux de la route. Oh, et la forêt sera abattue. Les animaux n'auront plus de maison. Pas question que je laisse faire une chose pareille. Et voilà. Je te trouve un peu effrayant. Mais maintenant, t'es sauvé. Ça va aller, petite boule qui pique. Tu reviendras, je te le promets. Bon travail, les amis. J'en ai un, Jax. On va mettre tous ces animaux en sécurité en attendant que la forêt soit sauvée. Ne t'inquiète pas, Zoé. On restera toute la nuit, s'il le faut. Je sais pas quoi faire de plus. En fait, il ne nous reste pas assez de temps. Regarde-le. Ce petit lézard est devenu mon ami. Oui. C'est génial d'avoir des amis, surtout dans les moments difficiles. On est là les uns pour les autres. Ça doit être comme ça quand on a une famille. Pourquoi tu dis quand on a une famille? Toi aussi tu as une famille, Nate, non?
Oui, si on veut. Mon père et ma mère travaillent à l'étranger, alors je les vois pas très souvent, en fait. Tu as des frères et sœurs ? Non, il n'y a que moi. J'ai toujours voulu un frère. Les Rangers sont ma famille, maintenant. Mais quel genre de ranger je suis si je ne peux pas sauver ce petit lézard et ses amis ? Tu trouveras bien une solution. Hé, les gens s'intéressaient au Vélix avant l'attaque, non ? Non, pas exactement. Ils s'intéressaient au tandem de Ben et Betty parce qu'ils le trouvaient plutôt cool. Attends, c'est ça ? Il faut qu'on arrive à rendre les Vélix plus cool. Ils pourraient briller dans le noir ou on pourrait organiser une compétition d'acrobatie. Oui, et on pourrait aussi ajouter des enceintes pour la musique et... On a repéré Blaze près de l'hôtel de ville. Je vous envoie les coordonnées. Il y a une bande de Vélix là-bas. Blaze a dû revenir pour le Morphix. Allez-y, les Robobistes et moi, on s'occupe des animaux. Merci, Nate. Pas besoin d'un robotron, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Non ! Bien visé, les amis ! On l'a eu en plein dans le bras ! Quoi ? Non ! Je suis à court de Morphix. Il essaye de s'échapper. C'est pas le seul à savoir pédaler vite. Allons-y. Ne le perdez pas de vue. Vas-y, Zoé, plus vite. On va le rattraper. Chers téléspectateurs, la circulation sur la 14e rue est très dense en ce moment. Vous devriez peut-être... Oh, attendez une seconde. Il semblerait que les Power Rangers soient à la poursuite de quelqu'un avec les nouveaux Vélix, tout droit là-bas. Essayez de voler plus bas. Non, attention ! Oh ! Désolé. Oh, je tente une percée. Vas-y ! Ces routes sont dangereuses. On ne doit pas le perdre. Roxy, je vais pas tarder. Il faut prendre de la hauteur. Oh, on décolle. Oh, on va t'avoir, Blaze. Attention. Alors comme ça, on a de la visite. J'ai pas réussi à l'espérer. C'est... Roxy ? Moi aussi, je suis contente de te revoir, ravie. Ce n'est pas Roxy ! C'est son avatar maléfique ! Ne l'écoute pas ! Hé ! C'est du Morphix ! On l'a pompé dans les Vélix et sous vos yeux en plus, après la destruction de Needletron. On va récupérer ce Morphix ! À la moindre petite étincelle, c'est tout le bâtiment qui va sauter. Boum. Il faut que je la recharge. Allez, Electronix, chargez-la! Et plus vite que ça! Il faut qu'on les arrête! Suivez-moi! De Morphix que tu pourras à Scrozzle. Je vais me charger des Rangers et j'apporterai le reste moi-même. D'accord. Je crois que je vais bien m'amuser. Je crois que les choses sérieuses vont commencer. C'est presque bon. Encore un peu. Oui. Ça devrait suffire. C'est le moment de tester un gigadrone modèle bêta. Je vais transformer ce modèle bêta en Needle Drone.
Rangers. Répondez, c'est le commandant. Oui, commandant. Un robot géant hostile se dirige vers la tour Morphix Tango 6. Ravi, tu peux t'en charger? Oui, je m'en charge. À nous de jouer, Smash! Système activé! En position! Smash, connecté! Déploiement du Zord semi-remorque. Déploiement du Zord semi-remorque. Hey, Ravi! Tu veux essayer le Zord en mode gorilla? Excellente idée! Le robot géant est droit devant! Ce Gigatron va glisser sur une peau de banane. Missile banane! Oh, oh, rien ne vaut une bonne banane! Oh, ça ne l'a pas arrêté! Ne t'inquiète pas, on va y arriver! Devon, Zoé, le drone absorbe mon Morphix, mon Zord se décharge. Tiens bon, Ravi, je viens t'aider. Je me charge de Roxy. Super. Commandant, déployez le Zord de course. C'est entre toi et moi maintenant. Tu n'as pas la moindre chance contre moi, la petite blanchisseuse. Ça reste à voir. Je suis plutôt coriace, tu sais. Raté? Non, dans le mille. Oh, oh, le Morphix. Hey, Roxy, j'ai un petit cadeau pour toi. Raté? Non, dans le mille. Oh, oh non! Tu ne me battras pas si facilement. On est plutôt coriaces toutes les deux, hein? Ouais, on se reverra. Jax, j'ai vraiment besoin d'une carotte. On perd de plus en plus d'énergie, alors on arrive juste à temps. C'était moi une. Merci, Devon. Je prends la suite. Arme de course. Mode combat. Téléporteur. Guépard Blaster Fist. D'un nouveau Vélix. Peut-être qu'il changera d'avis. Je crois que c'est un peu tard, ma chérie. Je te l'avais dit, Zoé, mon père était tué. Il ne va pas changer d'avis juste parce que tes Vélix sont plus cool. Peut-être, mais je vais pas laisser tomber. Je suis tellement fière de toi, ma chérie. C'est le maire, il arrive. Il est sur un Vélix. Papa, où est ta limousine? Pourquoi j'aurais une limousine? Le Vélix, c'est bien plus sympa. Tu devrais te mettre à la page, Devon. Tu n'as pas vu les infos hier soir? Les Rangers sont sur les nouveaux vélos alimentés au Morphix. Maman, c'est ton reportage? Et la vidéo est virale. Vous l'avez dit. D'après ce que je vois, tout le monde veut un Vélix maintenant. Eh oui, comme les Power Rangers. Tu as réussi, Zoé. Est-ce que ça veut dire? C'est ça que ça veut dire. Je déclare officiellement que ce projet de route est annulé pour toujours. Et je suis très fier de vous annoncer que nous allons commander 5000 Vélix pour la ville. Nous allons montrer au monde combien l'énergie Morphix est propre et peut changer les choses. Maintenant,
Si vous voulez bien m'excuser, je dois retourner travailler. J'arrive pas à y croire. Maman, t'es la meilleure. Oh, ce n'est pas moi que tu dois remercier. C'est grâce aux Rangers que tes Vélix ont réussi à conquérir toute la ville. C'est vrai. Merci les Rangers. Qui que vous soyez. Il ne reste plus qu'une dernière chose à faire. Allez, vas-y. Ta forêt est sauvée maintenant. Et nous, on va ramener tous tes amis. Coucou les amis! Coucou les amis! Ben, Betty, vous étiez passés où? L'attaque du Robotron nous a donné une idée. Et donc, on a transformé notre Félix Tandem en... Ta-da! Félix Super Monocycle! On travaille encore sur le nom, en fait! Betty! Je viens de me rappeler! On a oublié d'apprendre à faire du monocycle!